Salut, c'est Kim, bienvenue dans cette nouvelle liste des prénoms du dimanche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très populaire en France, les prénoms classiques. Voilà, tout simplement, ça peut paraître un peu idiot, facile, mais c'est un fait. Les Français n'arrivent pas à se détacher de ces prénoms anciens, des grands indémodables, des grands classiques, et on va en parler aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà bienvenue, j'ai vu que vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints récemment, à avoir rejoint toute la communauté de Qui me parle, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler d'anciens prénoms très très rares, peut-être oubliés, et que si vous cherchez un ancien prénom pour votre enfant, peut-être que cela vous plairont. C'est parti! On commence pour un garçon avec le prénom Ernest. Ernest, il signifie littéralement la lutte. Cet ancien prénom, il séduit de nouveau depuis une dizaine d'années. On le revoit dépasser les 100 attributions par an, ce qui voilà, commence à être quand même un petit nombre. Hein. On commence à en revoir. Ernest. Pourquoi pas Arnold pour un garçon qui nous vient, lui, historiquement, étymologiquement du germanique, c'était l'aigle. Plutôt présent dans les années 90, elle commence un petit peu à décroître, on le voit un peu moins. Voilà, peut-être, voilà, ça fait 30 ans, c'est peut-être le moment de le remettre au goût du jour. Arnold. On continue avec Réjeanne, le premier prénom féminin de la liste du jour. Ça, c'est la reine, hein, ça nous vient, c'est une variante de Regina, donc la reine. Figurez-vous qu'il n'a pas été donné depuis 2018, voilà, ce qui m'a beaucoup étonnée, parce que moi j'en connais une, Réjeanne, mais bon, c'est vrai, voilà, qu'elle a quelques années de plus. Et il est plus, parfois on le trouve avec deux N, mais il est plus populaire avec un seul N, et pour autant très très rare, Réjeanne. On poursuit avec le prénom Germain, c'est pour un garçon. On a Germaine pour une fille, sinon, mais c'est moins courant. Germain, c'est un prénom qui existe depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ, ça veut dire du même sang, donc c'est vraiment pas un prénom récent. Il était plus courant en 1910-1920, voilà, dans cette décennie-là qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais Germain, hein, par contre, n'a jamais disparu vraiment. Il y en a toujours quelques-uns, même si c'est très peu. Ils sont environ maintenant une trentaine à voir le jour chaque année. On poursuit avec un autre prénom masculin, c'est le prénom Valmont. Ça, c'est un prénom qui vient du germanique, c'est littéralement le protecteur, donc aussi une belle signification. Et c'est un prénom médiéval, hein, voilà, ça nous vient du Moyen-Âge. Déjà, il était donné à cette période-là. Et il y en a eu depuis voilà, ces 120 dernières années, ils sont à peine une centaine en tout et pour tout, toute année de naissance confondue. Et ce, très très réparti dans le temps, on ne peut pas vraiment dire qu'il était plus populaire dans telle ou telle décennie. C'est très rare et il y en a eu un petit peu partout, un peu éparpillé. Valmont. On poursuit avec le prénom Suzon pour une fille. Alors ces prénoms féminins qui se terminent par on, ancien prénom français, Ninon, Louison, bon Manon, Marion, c'est un peu moins vrai maintenant, mais surtout ouais, Louison, Ninon. Ça revient, ça marche plutôt bien. Hein. Donc c'est vrai que voilà, Suzon sera peut-être le prochain à bien marcher, à suivre. En tout cas, elles sont maintenant une quarantaine de petites filles à s'appeler comme ça chaque année. À surveiller. On revient chez les garçons avec Estef. C'est un prénom qui est une variante du prénom Stéphane, qui veut dire le couronné. Estef, et c'est très peu commun. Ils sont une quinzaine en tout et pour tout. Pour une fille, pourquoi pas Isilde. Je le trouve assez doux, avec en plus ce début qui... À tout pour revenir maintenant, est-ce que c'est voilà, le début en I, il fonctionne bien en ce moment. C'est un ancien prénom, mais qui correspond à une tendance plutôt actuelle. Isil, une variante d'Isult. On le trouve même parfois écrit sans E à la fin, voilà. Et ça marche plutôt bien en ce moment. On continue avec le prénom Pacôme. Pacôme, voilà, avec son petit accent circonflexe. Ça vient du grec, ça veut dire épée, littéralement. C'est un prénom qui est donné depuis 1930 à peu près, mais il a vraiment augmenté depuis 2005. Là, il connaît voilà, ses meilleures années, pas comme pour une fille. Pourquoi pas le prénom Alcine? Moi, je trouve même que maintenant, de nos jours, il pourrait faire un office de prénom mixte si on oublie le E à la fin. En tout cas, ce serait une variante un peu plus originale du prénom Aline. Et figurez-vous qu'il n'a pas été donné depuis 1904. Donc, c'est vraiment un ancien prénom. Peut-être le moment aussi de le remettre au goût du jour, s'il vous plaît, Alcine. On continue avec le prénom Domitille. Domitille, c'est pour une fille, c'est un prénom assez long. Il n'y a pas beaucoup de prénoms très longs dans cette liste. C'est un dérivé de Domus, en latin c'est la maison. Et c'est un prénom qui nous date de l'Antiquité, un très très vieux prénom. Il a été attribué de nouveau en France entre 2005 et 2015. Depuis, il commence un petit peu à redescendre. Voilà, pourquoi pas Domitille. Et enfin, on termine cette liste avec le prénom Aubin. C'est l'un des dérivés du prénom latin Albus, le blanc, vous savez, qui a donné Albin aussi, Albine, Alba. Et là, on parle de Aubin. On a un peu voilà, effacé ce L, on l'a remplacé par un U. Et c'est un prénom qui est en très très forte hausse, très forte croissance. Ils étaient presque 500 petits garçons donc, qui s'appelaient Aubin à voir le jour en 2019. C'est tout pour cette liste des prénoms du dimanche. Quel prénom avez-vous préféré dans cette liste? Lequel vous a bien plu? Dites-moi tout dans les commentaires, je suis ravie de vous lire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !